Écoutez-moi bien tous. On vient de passer le Golden Gate. On arrivera dans moins de 20 minutes. Je vous en donne 10 pour sécuriser le matériel et vous préparer à l'atterrissage. Compris? Je veux que tout soit prêt dans 10 minutes. Cette réponse est inacceptable. Dois-je vous rappeler qui je suis? C'est quoi ce bordel? Je me moque de votre protocole. Vous êtes là pour m'aider. Et c'est ce que vous allez faire. En paix, soldat. Quel est le problème, Von Bach? Vos hommes manquent de discipline, Capitaine Grant. Je veux récupérer mon équipement. Mes pillards chez moi partiront dès que nous aurons atterri. Le Liberté n'est pas votre jet privé. Tout est rangé. On n'a pas le temps de sortir vos affaires. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Si je ne m'abuse, Capitaine, vous avez l'ordre de faire ce que je dis. Mes ordres viennent de mes supérieurs, des gens à Manhattan vêtus d'uniformes. Comme ça. Ils m'ont chargé de vous protéger pendant que vous cherchez votre prétendu Arkatek. Prétendu Arkatek? Ne doutez pas de moi, Capitaine. Vous voyez ça? Grâce à cette arche-mère et toute la technologie que je vais récupérer dans la baie, je réparerai le monde. Et je serai un héros, bien sûr. Cette zone est à accès limité. Allez vous asseoir. S'il arrive malheur à mon équipement, j'enverrai la facture à vos supérieurs. Mais quel connard. Bougez-vous, les gars! L'heure tourne! Vous vous croyez où, là-dedans? Allez à vos places tout de suite! Vous deux, venez! À vos ordres, chef. Vous aussi. Bon, bah salut à toutes et à tous, c'est aujourd'hui avec plaisir que je vous retrouve sur ce jeu Défiance dans ce First Level, émission d'Inreal Game. Vous commencez peut-être à assimiler tout ça, il n'y a pas de souci. Le but d'Inreal Game, je vous le rappelle, c'est de vous présenter le premier niveau d'un jeu vidéo afin de peut-être vous confirmer l'idée qu'il serait bon à acheter ou tout au contraire. C'est totalement une grosse merde, et dans ce cas-là, bah moi je vous le dis, je vous fais pas un test, parce que c'est pas un test, c'est des impressions sur le premier niveau. Et au moins, ça permet vraiment de vous faire un avis sur ce qu'il vaut, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Défiance, donc j'avais pas le droit de vous la présenter avant cette vidéo, parce qu'en fait j'avais une clause de confidentialité à respecter, et aujourd'hui, bah elle n'est plus, donc je mets enfin la main sur le jeu, parce que je voulais pas le tester si j'avais une clause de confidentialité, j'avais autre chose à faire. Donc voilà. Alors là, j'ai créé mon personnage, enfin, je souhaite créer mon personnage. Je joue à la manette, je suis sur PC, les amis. Et donc, hop, on regarde ce qu'on nous propose. Donc, on a de l'homme terrien, de la femme terrienne, de l'homme irathien et de la femme irathienne. Pour la petite histoire, vous l'avez vu en intro, la Terre a été détruite, d'après ce que j'ai vu rapidement. Donc, on a des classes. Donc, voilà, en gros, une femme homme, nanana, de deux camps différents, avec des sous-classes. Alors, on va prendre un terrien, parce que de toute façon, moi, je suis un bonhomme intérien, voilà. On a le choix entre, en gros, le type d'assaut, le mec qui est au sniper, le type qui est une grosse brute, hop, pardon, hop, et le type qui est une méga grosse brute. En gros, c'est l'histoire. Donc, moi, je suis très sniper, mais du coup, le sniper, c'est lent pour les gameplays à proposer, donc je vais partir sur du vétéran. Les vétérans et les xénoguerres sont passés à la prospérité. En tant que soldat, certains ont rejoint le corps expéditionnaire, ok, bon, hop, pas de soucis. Et on peut choisir en gros un petit peu le faciès du perso, c'est pas super beau, mais en même temps c'est une bêta les amis. Je vais pas juger aujourd'hui sur ce genre de choses. Et on va continuer, du coup. Et alors on peut faire rotater le genre. Ouais, j'aimerais continuer, mais apparemment on peut continuer qu'à la souris. Bon. On continue à la souris, y a pas de problème, je suis pas chiant comme mec. Alors, morphologie, on peut vraiment personnaliser ça de manière assez intéressante. Hop, on va y mettre un gonnet. On va y mettre un gonnet à notre copain là, avec une grosse bouche. Voilà, couleur de peau. Bah moi je ressemble à un cachet d'aspirine. Voilà, je ressemble pas du tout à ça, mais bon, on s'en fiche. On va passer ça et on va l'appeler Tony IRG. Ok, on crée le truc. Hop, on s'en fiche, hein, c'est vraiment histoire de... Et voilà, on avance. Alors ça charge, petit chargement un petit peu partout par contre. Pareil, c'est une bêta, je juge pas.
J'ai dit tout de suite. Minute, capitaine. Ce pillarche ne porte pas votre uniforme adoré. Vous n'avez pas à lui donner d'ordre. Désolé pour le malentendu. On y est presque. Attachez-vous. Je ne vous ai pas encore parlé de votre implant égo. Il faut vraiment... Mais qu'est-ce que c'est? Chef, on vous demande sur le pont. Je crois finalement que je vais m'asseoir. Quand on aura atterri, ne bougez pas. L'activation d'ego peut être déroutante quand on n'y est pas préparé. Ok. Quelque chose me dit qu'on a une puce dans le cerveau. Du calme. C'est juste des turbulences. Pas de quoi flipper. C'est pas vrai. On va tous crever. En réalité, elle est charmante quand on la connaît bien. Ok. Capsule d'évacuation lancée dans 3, 2... Bon, c'était chaud. C'était chaud en fait. Les mecs ils s'arrachent comme ça, ils te laissent dans la grosse daube. Il y a un petit bug d'affichage, c'est pas grave non plus. On va voir ce que ça donne. Chargement. Beaucoup de zones de chargement quand même. Hein. Mais bon, on voit un univers un peu post-apocalyptique. Parce qu'on l'a vu, la Terre est détruite. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, je vais pas vous mentir. J'ai refusé de m'informer, en fait, un petit peu, parce que je voulais découvrir ça vraiment avec vous. Et c'est ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est une vidéo un peu découverte. Donc vraiment, je découvre en même temps que vous. Accroche-toi, Cass. Ça se présente mal. Je sais que c'est un TPS. Ça va. C'est tout. Comment ça s'ouvre, ce machin? Un bouton invisible. T'es en vie? Moi, c'est Cass Dukar. Tout va bien? J'ai vu ta capsule atterrir. Enfin, c'était plus un crash qu'un atterrissage. Je pensais te retrouver en bouillie là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, justement, Echo qui se... la puce qui se... Oula. Se met en marche, j'imagine. Ça va? Ça va? Tu m'entends? Tu ferais mieux de t'asseoir. D'accord. Viens, assieds-toi avant de tourner de l'œil. T'as dû prendre un mauvais coup à la tête pendant le crash. Repose-toi un moment. Je vais... Notre perso, il parle pas, quoi. D'autre. Depuis le début, il a pas allongé une phrase. En fait, je te conseille de trouver de meilleures armes. Les gens du coin sont pas accueillants. D'accord, au moins elle a posé les bases. Bonjour. On a une espèce d'entité qui nous parle. Vous pouvez m'entendre. Je perçois votre nervosité, mais n'ayez crainte. Je suis le dispositif Envirogardien Online qu'on vous a injecté. Vous pouvez m'appeler Ego. Ah, excusez-moi. Je dois vous prévenir qu'il peut y avoir quelques couacs au début, quand on essaye de tout activer. Mais je m'occupe de tout. On a du pain sur la planche, alors commençons tout de suite. Cool, j'ai un ami imaginaire. Génial. Bon, hop, une zone de chargement qui n'était pas franchement justifiée. C'est pas grave. Alors, on va aller vers elle, récupérer l'équipement. Alors, je joue au clavier souris du coup. Monsieur Van Bach, mais il va falloir d'abord s'équiper. Ok, alors récupérer les armes, l'équipement pendant que Kego tente d'activer les fonctionnalités. Ok, on va y aller. Van Bach Industries transportait des systèmes de défense personnelle à bord de la Stratonef. J'ai indiqué sur votre carte les retrouver. D'accord, donc on a la carte. Donc j'ai appuyé sur le bouton virgule, on a la carte. Une bonne map. A savoir que c'est une bêta, que c'est précisé que la carte n'est pas totalement débloquée. Voilà, toutes les zones ne sont pas actuellement accessibles. Et moi pour l'instant ça me paraît, bon, pas super beau mais pas super moche non plus. Donc ça me gêne pas. Honnêtement ça me gêne pas pour le coup. Je vais pas juger un jeu seulement sur son aspect graphique. Même si ça compte un petit peu, hein, voilà. Fouiller la cache. Alors j'aimerais. Mais elle se referme. Ah, faut que je reste appuyé, excusez-moi. Excellent. Équipez-vous et je pourrai activer le bouclier. Alors on appuie sur L pour s'équiper, il n'y a pas de souci. Bouclier, on clique dessus. Champ de protection de Von Beck Industrie. Donc on le sélectionne, j'imagine. Bouclier activé. Il va nous falloir une arme plus efficace.
Je détecte le signal d'un arsenal mobile en détresse. En route. On doit récupérer l'équipement nécessaire au plus vite pour pouvoir se mettre à la recherche de Monsieur Von Bach. Donc on a... D'après mes données, ces créatures sont des êtres humains. Mais leur ADN a sévèrement muté. Ok, donc en gros, on a des bestioles cheloues. Ici, on a vu brièvement, on doit récupérer l'espèce de chercheur. Qui est totalement un vrai connard. Je m'en fous, je me tire dessus, j'ai pas peur. Et on va reload. Ok, il était tout seul, hein, d'après ce que je pense. On a ici un soldat. Ah, mutant. Ah d'accord, en fait, même... Oh putain, je t'ai pas vu, toi. Alors, on a le bouclier qui prend en charge les dégâts. On a une espèce de latence quand on fait des headshots, c'est pas grave. Alors en fait, ce qui se passe apparemment, c'est que les humains ont muté, comme ils l'ont dit préalablement, mais que j'ai pas écouté, hein, comme d'habitude. Ici, on a une capsule, peut-être un ami à l'intérieur. Non. Je peux pas... Oh, il saute à 3 mètres de haut, le gars, c'est juste un warrior. Hop, je peux pas me baisser. Non. Ok, bon. C'est pas grave. Alors, niveau des balles, ok, j'ai un peu de marge quand même, on va avancer. Ce jeu m'intéresse, honnêtement, ce jeu commence là. Alors, je vais me faire attaquer, j'imagine. On trouve des bastos, parfait. Trouver une arme, ouais. On va avancer en direction de l'objectif. Donc, on voit sur le radar qu'il y a vraiment pas mal de choses. Pas mal d'éléments, à mon avis. À mon avis, lui, il est pas super. Super gentil. Il a l'air super chelou. Hein. On va essayer de... Non, on peut pas l'esquiver. On va rentrer dans le tas, du coup. Ouvrier. Donc peut-être que c'est un gentil. Ou pas. Bonjour, est-ce que t'es gentil? Toi, t'es gentil. Toi, t'as un copain, toi. Toi, t'as un putain de copain. On peut pas ouvrir ta caisse. Ok. Et toi, t'es un... Putain de mutant qui s'est tiré. Donc on va faire gaffe. Concernant notre... Alors, ok. Faut que je fasse gaffe, me fait attaquer par ces merdes en fait. Hop. Alors l'IA est pas super développée, mais encore une fois c'est une bêta. On peut pas vraiment juger en fait sur ce force level. Mais vraiment ça me tenait à cœur de vous le présenter. Alors... On fouille l'arsenal mobile. Les fusils d'assaut excellent à moyenne portée, mais conservent une bonne efficacité à longue distance. Ok, on va s'équiper du fusil d'assaut en secondaire. Le FMR 3000. Chaque type d'arme a ses forces et ses faiblesses. Alors prenez l'habitude de permuter entre vos armes principales et secondaires en fonction des circonstances. Alors on peut voir également l'arme en 3D. Je détecte la présence d'explosifs. Ils pourraient nous servir. J'ai marqué leur position sur la carte. Alors... On peut passer d'une arme à l'autre en appuyant sur A. Perso, ça va être à coup de roulette. Oui, je me fais attaquer, je me fais poutrer. Je ne sais pas par quoi. Et apparemment, les mutants n'aiment pas aussi les bestioles. Bon, et puis ils nous cherchent pas forcément. Donc je vais arrêter de les buter. Bon, parce que ça rapporte pas d'XP. En même temps, peut-être que l'XP sera active un petit peu plus tard. J'ai envie de dire. Est-ce que t'es gentil? Est-ce que t'es mignon envers moi? Ouais, tu cherches pas la merde, quoi. Ok. Alors, je surveille un petit peu la GoPro. Des fois, je la regarde parce que tout à l'heure, bah, tout à l'heure, sur le pré... sur l'enregistrement... précédent. J'ai enregistré quoi? Oui, j'ai enregistré The Walking Dead. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, j'ai enregistré The Walking Dead, quoi. Oh, mon Dieu. Donc, voilà. En gros, la GoPro s'est arrêtée en fin d'épisode. Apparemment pour ceux qui ont le même souci. Ah d'accord, en fait c'est dès que je tire, eux ils me tirent dessus quoi. Mais si je tire pas, ils me tirent pas dessus. Ok. Hop, c'est pas grand, on va faire le vide. C'est pas un souci, moi ça me pose pas de problème les amis. Hop. Hop. En fait apparemment c'est une espèce de saloperie qui rouille. Bon, on va avancer. En fait, faut pas tirer à côté d'eux, apparemment, quoi. Donc on va fouiller les capsules de matériel. Cette nacelle est pleine de grenades.
Prenez-en une yes. Et équipez-vous. Bien sûr. Allez, on s'équipe des grenades. Alors apparemment, ça va être énorme parce qu'on va pouvoir customiser notre stuff. Dégoupillez, lancez et dégarpissez. Fin de mission. Alors oui, alors on a de l'XP en bas, on peut le voir. Donc notre perso risque d'avoir une bonne évolution aussi. On va voir ça ensemble. Maintenant que vous avez tout, on peut passer au pouvoir égo. Alors, on accepte. Intégration de l'ego. Allons dans la grosse zone. Commençons par le camouflage. Oula. Quand il est actif, il vous rend hey. Utilisez ce pouvoir pour passer derrière les hologrammes et attaquer. Alors du coup, j'ai de l'invisibilité, trollolol. Et du coup, j'attaque par derrière. Ok, hop. Quand je tire, je me fais détecter, mais je reviens invisible. Trollolol. Bim, un HS. Des camouflages voilà. Pour passer derrière les hologrammes et attaquer. Pas mal. On va maintenant essayer surcharge. Ce pouvoir accroît considérablement les dégâts que vous pouvez infliger à l'ennemi. Activez-le et tirez sur le. Hop, ok. Ah, t'as de la résistance, toi. Ah, d'accord, en fait, ça se recharge. Ouh. Je te poutre beaucoup. Utilisez surcharge pour les briser. D'accord. Voilà. Passons au pouvoir leurre. Il permet de projeter un clone virtuel de vous-même pour déstabiliser l'ennemi. Éliminez les hologrammes pendant qu'ils oula. Sont perturbés par votre réplique. La la la. Oh, j'ai fait des clones. Du coup, il vise le mauvais, c'est bien connu. Je voyons me fais... maintenant le pouvoir flash. Il vous permet de vous déplacer à très grande vitesse et accroît votre puissance au corps à corps. Activez okay. Flash, foncez sur les hologrammes et attaquez-les au corps à corps. Ah, au corps à corps. Genre comment quoi? Genre en appuyant sur E, genre en faisant quoi? Alors du coup... Alors je... Ah, coucou. Enchanté, moi c'est Tony. Alors, bim. Et comment je fais pour t'attaquer en corps à corps en fait? Vous devez activer le pouvoir flash. F, d'accord. D'accord, ok. Alors, je suis un peu teubé comme garçon. Hein. Hop, ah là là, j'active flash et bim. Et bim, voilà. Et je vais sur toi. Et bim. Ok. Bon travail. Vous devez maintenant choisir un pouvoir égo à intégrer. Ah, d'accord. Alors, faut savoir si t'es plus camouflage, plus rentre dedans ou plus corps à corps en fait. D'après ce que je comprends. Alors, j'ai le choix. J'ai le choix entre leurre ou surcharge. Bah, je suis plus surcharge, je pense. On va initialiser. Hop. Et voilà. Approche agressive, ça te plaît? Oui, enfin, moi je suis plus dans le contraire, c'est pas grave. Ok, donc requiert de la puissance. Je vous le transfère. Ah, ça plus tard. Donc on a vu l'arbre de compétences qui est vraiment énorme. Je crois que les mutants organisent une attaque. Oh non, on doit aller l'aider. Alors, où elle est la copine? Hop. On court. Donc c'est un monde ouvert, vraiment très très ouvert pour le coup. Moi ça me plaît bien. Hop. Et on va l'aider parce qu'elle est sous feu ennemi. Il faut neutraliser ces brutes. Sinon, on peut faire une croix sur les survivants du crash. Pas de soucis. Hop. Donc c'est les premières missions, donc c'est assez simple. Hop. Alors la visée se fait vachement bien, le gameplay est plutôt bon. J'ai rien à dire sur la maniabilité du perso. Je trouve ça assez sympa. Un univers assez futuriste du coup aussi qui me plaît pas mal. Apparemment ils ont un générateur. Enfin, quelques petits soucis avec les modèles. C'est normal. Hop, je maintiens le réacteur là, machin. J'ai pu réactiver la matière fissile. Le réacteur devrait surcharger et rayer cette base de la carte explosive. Ah ouais, donc faut que je me barre en fait. Empêcher les mutants d'interrompre le processus. D'accord. On va empêcher les mutants. Hop. C'est bon.
je peux lancer des greux aussi. Alors, il y en a un qui vient de me passer devant. Genre, ça lui pose pas de problème. Toi, c'est la même. Hop, et je suis à court de mun. C'est pas grave, on va attaquer au corps à corps. C'est pas un problème. Alors, ah oui, mais j'ai toujours mon petit pétard. Oh merde. Voilà. Bon, ils sont un peu démunis d'intelligence, c'est un peu bugué. Ok, on se casse. Petite vidéo. Merci. T'as un implant égo, c'est ça? C'est incroyable. J'en avais jamais vu en action. C'est quoi? Je crois qu'on va former une sacrée équipe. Dans ce monde de dingue, les alliés sont rares et précieux. Je rejoins le site du crash. Ils doivent avoir besoin d'aide. Je suis sûre qu'on se reverra. Yarch? Bon. Écoutez les amis, je pense qu'on va arrêter là pour la première vidéo. J'ai envie de vous en tourner plusieurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Facebook et également sur Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine. Allez, à tout de suite, ciao.